Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors là, il y a un petit souci d'affichage de la grille, mais c'est pas grave, je vais régler ça tout de suite. En direct, pendant l'enregistrement. Voilà, bienvenue au club, si j'ose dire, sur duplicate.club, donc votre nouvelle chaîne de duplicate. Le vendredi, nous sommes vendredi, c'est jour de partie détonnante. Alors qu'est-ce que c'est qu'une partie détonnante? C'est une partie qui détonne, voilà. C'est-à-dire que on va dépasser les 1100 points et on va dépasser et on ne va pas dépasser les 19 coups. Voilà, c'est une définition, on va dire, très personnelle. Mais voilà, je considère qu'à partir de déjà 1000 points, c'est pas mal, mais alors 1100, c'est encore mieux. Et puis, si ça fait plus de 19, 20 coups, à partir de 20 coups, je trouve que c'est moins détonnant. Voilà. Bon, après, chacun sa définition, mais en tout cas, ici, ce sont les deux critères que je me suis fixé pour considérer une partie comme détonnante. Et alors, forcément, qui dit peu de coups en nombre et un gros score, un gros cumul à la fin, eh bien, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de Scrabble dans ce genre de partie. Et donc, justement, c'est très intéressant à jouer pour travailler les Scrabble. Voilà, donc à partir du moment où il y en a beaucoup, on va chercher en priorité les Scrabble et ça nous exerce à la recherche du Scrabble. Voilà, donc partie détonnante qui va démarrer dans quelques secondes. À l'issue, un décodage comme d'habitude. C'est-à-dire, en trois temps, je passerai en revue, premièrement, les sous-topes, isotopes de chaque coup. Deuxièmement, les définitions des mots peu courants, éventuellement rencontrés dans la partie. Alors, il y en a presque toujours, hein, puisque c'est soit au top, soit au sous-top. Dans les sous-topes, il y a des mots forcément qu'on ne connaît pas. Troisième temps, les potentialités des tirages, c'est-à-dire les 7 plus 1, les possibilités en 7 lettres qu'on n'a pas forcément pu voir pendant la partie ou pendant le premier temps du décodage. Donc les 7 lettres ou les 7 plus 1, et rarement les 7 plus 2 si le tirage s'y prête, mais j'avoue que j'y pense pas toujours systématiquement. Bon, on va voir, on va essayer de faire évoluer ça. Chaque chose en son temps, hein, les progrès sont comment dire? Oui, par définition progressif. Donc, on va démarrer cette partie. Alors, normalement, j'ai un petit tirage qui s'affiche, mais ne prenez pas ces lettres-là. Hein. C'est juste pour tester l'affichage. Voilà, ça m'a l'air correct. Donc, on y va. On va démarrer cette partie détonnante que je vous souhaite bien agréable. Vous n'avez aucune lettre devant vous. Et vous prenez, je vais vous dire ça tout de suite, Italie I, Tunisie T, Portugal P, Algérie A, Luxembourg L, Égypte E, deux fois. Vous jouez avec Italie, Tunisie, Portugal, Algérie, Luxembourg, Égypte deux fois. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
Le coup est terminé. Le top de ce coup s'élève à 74 points. Horizontalement en H3, nous posons épelet. E-P-E-L-A. Le I sur la case centrale est T. Épelet H3, ça fait 74 points. J'en profite pour vous rappeler de venir vous abonner à la chaîne duplicate.club si vous regardez depuis Le Sens des Lettres, puisque duplicate.club est amené à remplacer Le Sens des Lettres pour ce qui concerne le duplicate. Voilà. Alors, après ce Scrabble, vous n'avez plus aucune lettre. Voici cette nouvelle lettre. Canada, C. Hongrie, H. Italie, I. Roumanie, R. Océanie, O. Suisse, S. Et Égypte, E. Vous jouez avec Canada, Hongrie, Italie, Roumanie, Océanie, Suisse et Égypte. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 69 points. Faites attention à la solution choisie. Horizontalement en G8, en collant au-dessus des deux dernières lettres de épelet, nous posons séchoir. S-E-C-H-O-I-R. Le S forme si et le E forme E-E-T avec le I et le T de épelet. Séchoir. G8, 69 points. Au reliquat, aucune lettre. Voici Égypte E. Votre premier joker, lettre blanche. Venezuela V. Océanie O. Roumanie R. Égypte E deux fois, ce qui vous en fait trois. Vous jouez avec Égypte trois fois, joker, Venezuela, Océanie et Roumanie. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 86 points. Pour ce coup, le joker sera un F de France, verticalement en 14B, en appui sur le R de séchoir. Nous descendons Orfévré. O, R, le joker qui remplace un F de France, E, V, R de séchoir, E, E. Donc attention à la place, hein, nous jouons en 14B, c'est le deuxième R du mot qui se confond avec celui de séchoir. Orfévré, 14B, 86 points. Voici un nouveau tirage après ce Scrabble. Algérie A. Suisse S. Algérie A deuxième. Luxembourg L. Danemark D. Grèce G. Et Luxembourg L, c'est le deuxième. Vous jouez avec Algérie deux fois, Suisse, Luxembourg deux fois, Danemark et Grèce. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 76 points. De nouveau, vous ferez attention à la place, verticalement en 3B. En appui sur le premier E de épeler, nous descendons dallage. D, A, L, L, A, G, le premier E de épeler et S. Dallage, 3B, ça fait 76 points. Oui, j'en profite également pour vous rappeler que cette chaîne, le principe de la chaîne, c'est une partie par jour, déclinée en trois versions. Une version 2 minutes par coup à 10 heures, une 3 minutes par coup à 14 heures et une blitz, 1 minute par coup à 20 heures. C'est la même partie à chaque fois, avec juste le temps de réflexion qui change. Mais c'est dans la journée, hein. Du jour au lendemain, on change, c'est un autre type de partie, une autre partie. Et ce sont des diffusions en mode première, c'est-à-dire que c'est diffusé à une heure spécifique, mais après c'est disponible à tout moment, comme n'importe quelle vidéo YouTube. Alors, après ce Scrabble, aucune lettre au reliquat. Voici Suisse S.
Égypte, E. Roumanie, R. Égypte, E, c'est le deuxième. Suisse, S, deuxième également. Algérie, A. Et Norvège, N. Vous jouez avec Suisse deux fois, Égypte deux fois, Roumanie, Algérie et Norvège. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Le top, 74 points. Faites très attention à la solution choisie. Verticalement en 4 H, en partant du P de épelé, nous descendons Persane. P-E-R-S-A-N-E-S. Le premier E forme SE avec le S final de dallage. Persane, nous avons bien joué Persane en 4 H pour 74 points. Aucune lettre reliquat, voici Xénophon X. Égypte, E. Italie, I. Hongrie, H. Maroc, M. Tunisie, T. Et Yougoslavie, Y. Vous jouez avec Xénophon, Égypte, Italie, Hongrie, Maroc, Tunisie, Yougoslavie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Soixante et onze points. Verticalement en 15 H, en partant à gauche des deux dernières lettres de Timmy, en collant à gauche des deux à droite pardon à droite des deux dernières lettres de Orfèvre, je vais y arriver. Nous descendons Timmy, T H Y M I E. Le T forme EET et le H
E-E-H, avec les deux dernières lettres de Orfévré. Timmy, 15H, 71 points. Une lettre au reliquat, Xénophon. On ajoute Roumanie R, Égypte E, Belgique B, Égypte E, c'est le deuxième, Italie I et Océanie O. Vous jouez avec Xénophon, Roumanie, Égypte deux fois, Belgique, Italie et Océanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 84 points. Verticalement en 11 E, en appui sur le H de séchoir, nous descendons exhibé. E, X, H, I, B, E, R. Exhibé 11 E. Ça fait 84 points. Au reliquat, une lettre, Océanie. On ajoute Roumanie R, Canada C, Danemark D, Uruguay U, Jordanie J et Roumanie R, c'est le deuxième. Vous jouez avec Océanie, Roumanie deux fois, Canada, Danemark, Uruguay et Jordanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
le coup est terminé. Cinquante-quatre points. Verticalement en 11J, en collant, en partant d'à, à gauche du E, du deuxième E de exhiber, nous descendons jour. J O U R. Le J forme je et le O forme or avec les deux dernières lettres de exhiber. Jour, 10J, ça fait 54 points. Au reliquat, 3 lettres, Canada, Danemark et Roumanie. En voici 4 pour compléter, Algérie, A. Grèce, G. Norvège N, Égypte E. Vous jouez avec Canada, Danemark, Roumanie, Algérie, Grèce, Norvège et Égypte. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Soixante-quatre points. Horizontalement en C2, on appuie sur le premier A de dallage. Nous posons Cagnard. C, A de dallage, G, N, A, R, D, E. Cagnard, C2. Ça fait 64. Aucune lettre au reliquat, voici Norvège N. Océanie O. Danemark D, Zambie Z. Votre deuxième joker, lettre blanche, France F, Uruguay U. Vous jouez avec Norvège, Océanie, Danemark, Zambie, joker, France et Uruguay. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 56 points. Le joker remplacera un E d'Égypte horizontalement en M2. En appui sur le N de Persane, nous posons fondé FONDE. Le joker qui remplace un E d'Égypte et Z. Fondé M2. 56 points. Au reliquat, deux lettres, Norvège et Uruguay. Vous ajoutez Océanie O, Venezuela V, Algérie A, Tunisie T et Maroc M. Vous jouez avec Norvège, Uruguay, Océanie, Venezuela, Algérie, Tunisie et Maroc. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Quatre points horizontalement en B6 en collant sur les quatre dernières lettres de Cagnard au-dessus. Nous posons mouvant MOUVANT. Verticalement, nous formons ma, or, oud et v avec les dernières lettres de Cagnard. Mouvant. Pourquoi j'allais dire M2, mais ça n'a rien à voir. Mouvant, donc B6, 84 points. Non, M2, c'était le coup précédent. Voilà, c'est dû rester dans ma tête. Et puis, les mystères de l'esprit. Alors, après ce Scrabble, plus aucune lettre, voici un nouveau tirage. Tunisie T, Égypte E, Italie I, Algérie A, Uruguay U, Norvège N, Suisse S,
Vous jouez avec Tunisie, Égypte, Italie, Algérie, Uruguay, Norvège et Suisse. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 87 points. Verticalement en 1A pour transformer cagnarde en acagnarde. Faites très attention à la solution choisie. Nous descendons Uzet. U, S, le A qui vient devant cagnarde pour faire acagnarde. I-E-N-T. Uzet, 1A. Ça fait 87 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. Voici Océanie O. Italie I. Uruguay U. Norvège N. Tunisie T. Égypte E. Et Québec Q. Québec. Vous jouez avec Océanie, Italie, Uruguay, Norvège, Tunisie, Égypte et Québec. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 185 points. Horizontalement, en O1, on appuie sur le deuxième S de Persane. En O-nuple, nous posons question. Q-U-E, le S final de Persane. I-O, non, pardon, T-I-O-N. Question O1, 185 points. Aucune lettre
après ce Scrabble en reliquat, voici Algérie A, Uruguay U, Italie I, Algérie A, c'est le deuxième, France F, Uruguay U, deuxième également, et Wallonie W. Vous jouez avec Algérie deux fois, Uruguay deux fois, Italie, France et Wallonie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 35 points. Pardon. 39 points. 39 points. Verticalement en 4A, en appui sur le G de Acagnard, nous descendons Fuguet. F, U, G, U, A, I. Ça se passe en collante à droite de dallage. Ça forme du, lu, la et e. Fuguet, F-U-G-U-A-I, en 4A, ça fait 39 points, 39. Bon, j'ai une petite fenêtre de 10 secondes pour vous rappeler que si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez le faire, il y a une cagnotte en ligne sur OKPAL. Alors à la base c'était prévu pour le sens des lettres, mais c'est exactement la même chose, hein. C'est la même entité, la même équipe qui récupère les dons, donc il n'y a pas de souci. Si vous aviez dans l'idée d'aider le sens des lettres, vous pouvez le faire encore maintenant, même si ça évolue. C'est exactement la même entité, Regenatura, mon entreprise. Voilà. Deux lettres reliquats, Algérie et Wallonie. On ajoute Portugal, P. Luxembourg, L. Italie, I. Belgique, B. Égypte, E. Vous jouez avec Algérie, Wallonie, Portugal, Luxembourg, Italie, Belgique et Égypte. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 42 points.
verticalement en 6F. En appui sur le L de épelé, nous descendons pile à haut. P, I, L de épelé, A, W. Pile à haut, 6F. Ça fait 42 points. Au reliquat, trois lettres, Belgique, Égypte, Luxembourg. Vous ajoutez Norvège, N, Suisse, S, Tunisie, T, et Luxembourg, L, c'est le deuxième. Vous jouez avec Belgique, Égypte, Luxembourg deux fois, Norvège, Suisse et Tunisie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 34 points, horizontalement en N11, et ce sera le dernier coup de cette partie détonnante. Nous mettons un S au bout de Timmy pour jouer Blet. B-L-E-T-S. Blet. B-L-E-T-S en N11. 11, ça fait 34 points, ce qui amène la partie à un top de 1179 points pour 16 coups joués. Voilà, donc ça a été effectivement expéditif, une partie détonnante qui ne compte que 16 coups, donc voilà, ça a été rapide. J'espère que vous n'avez pas trop souffert. On va décoder tout ça dans quelques secondes. Allez, jingle. Allez, c'est parti pour le décodage de cette détonante. Alors, au premier coup, on a joué épelé. Le top, c'était le top. C'était le seul scrap possible, donc une seule place, puisqu'on a le P et le reste est à un point. Pas d'anagramme, donc il valait mieux pas le rater. Bon, c'est pas insurmontable, hein, si on trouve pelé... On peut penser à épeler, voilà, sous top donc à moins 52 en toute logique, aplit, épeler sans le T, épela à T, épila, pelé à IT, pelit, pétale, platé, etc., etc., à 22, enfin non, c'était tout à 22, ensuite on descend à 20 points avec palé et E, palé ET, pali, etc., etc. Voilà, le coup suivant. Alors là, on a joué séchoir, qu'on a choisi par rapport à Chouaera et Choriste pour,
pour les ouvertures à droite de la grille. Ça se discute hein, toujours, hein, les choix. Peut-être qu'il y avait un piège là avec échoira, qui est pas le verbe. Choira, c'est pas le verbe choyer. C'est pas le verbe choir, pardon, c'est le verbe choyer. D'accord ? Tu choiras ton prochain, par exemple. Choira, ça faisait pareil, hein, 69, tout comme choriste sur le T. Anagramme de choriste, orchite au pluriel à 66. Et ensuite, on ne scrablait plus. On est à 34 points quand même avec riche au pluriel en collante riche pour le coup, puisque c'est sur 5 lettres que ça se joue. 34 points, le S en moins ça fait 33, et séchoir passait également en 3G en mot compte double avec le C qui double, ça faisait 32 points. Le coup suivant, ce mot me fait rire. Je ne sais pas si vous, ça va vous faire le même effet, mais moi j'ai l'impression de quelqu'un qui a un problème de langage et qui dit « or c'est vrai ». Voilà. Vous croyez que c'est faux ? Or fait vrai. Bon. On a joué en 86 pour 14 B points. Voilà, je me mélange, hein, c'est terrible. J'arrive pas à rester concentré là. 14B, donc on a topé. Le top, c'était 86 avec Orfévré. Voilà. Sous top, 74 avec Éprouvé ou Évaporé sur le P de Épelé. Orfévré, pas fait au fi en Caporve F. Mais ça faisait beaucoup moins. Révolté 70 sur le L de Épelé, le V qui triple. Ensuite, en I8, plusieurs mots avec qui démarrent par RE pour former cire et été. On a rénové, revolé, revoté. Vérolé, même place que revolé, mais un peu moins parce que le V ne triple pas. Et puis encore un peu moins avec févrole. Vous prouvez que févrole. points en 6B. Alors, ensuite, 15D, qu'est-ce qu'on avait versé. Voilà, c'était plus d'escrable, mais ça faisait quand même pas mal de points. 48, le V qui double, le mot qui triple et séchoir au pluriel. Voilà, on verra ensuite, dans le troisième temps du décodage, les autres appuis de ce tirage. Notamment, je vois, je pense à dévorer, qui ne passait pas. Alors, le tirage suivant, le coup suivant, pardon, dallage, encore un scrabble unique, alors il ne fallait pas le rater, celui-là. Il passe à plusieurs endroits, 76 le maximum, avec le G qui double, le S qui double et le mot qui double. Et puis, avec le mot, mais sans aucune lettre qui double, 70 points en 5B ou E8. C'était le seul scrap possible, pas plus de 25 sinon, avec Gala, qui mettait Orfévré au pluriel. Vous n'entendrez plus jamais ce mot de la même façon. Hein. Et puis du coup, vous allez le retenir. Voilà. OK. Et puis, c'est pas un verbe, c'est un adjectif seulement, mais ça vous le verrez tout à l'heure aux définitions. Alors, le coup suivant, on a retenu persane pour l'alternance voyelle-consonne, enfin surtout pour le N, parce qu'on peut mieux coller de part et d'autre du N que d'un R. Voilà. Puisque de part et d'autre du N, en une lettre, on met toutes les voyelles possibles, à part le Y, bien sûr. Tandis que pour le R, n'y a pas de or ni de ro. Alors, ça faisait 74, donc personne ou pensera. En I6, jolie collante avec asséné ER, 71. Le même mot passé en 2I pour 70 et assénera 60. Que ce soit sur le A de épelé ou sur celui de dallage. Un joli 9 lettres qui ne paye pas assez, à mon goût, résinace.
Et voilà, puis sinon après on a des petits quadruples là, assénés à 28 points. Alors ensuite, ah là, un peu frustrant ce tirage parce qu'on est tenté, on a envie de jouer avec X et Y. Hein. Il y a pas mal, quelques mots qui contiennent les deux, notamment Xist qui fait que 46 points. Mais on a une place un peu trop, enfin un peu trop. Très alléchante ici avec en faisant TH. Alors on atteint THYM si on ne connaît pas Timmy. Et 62 et Timmy fait 9 points de plus. Voilà. Autre sous-top à 45, on avait Elix et Myth. Elix en 6F, H triple, X triple et Myth, c'est un mot compte double avec le M en pivot. Ensuite, pas de Z pour boxerier. Est-ce qu'il y a d'autres appuis possibles? Exorbité. On verra s'il y en a d'autres après. Exhibé donc fait 84 points. Ce n'est pas un scrab, mais le score est très élevé parce que c'est un quadruple avec X, H, B. Donc ça fait grimper le score. Sous top 42 avec Sexé ou Sirex en O4. Vous voyez, Exhib, c'est même le sous-top hein, à 40 points. Ensuite, on a placé le J de façon tout à fait pertinente sur une case bleu foncé en pivot pour former un autre mot dans l'autre sens, je, JE, un classique. Jour, donc, faisait 54. Sous-top, Jaco en F2 pour 29. Et puis jour en 10B également, mais faisait 29 aussi. Jarre Junco, aux places qui s'affichent à l'écran, faisait 28. Alors le coup suivant, ça c'est dur, parce qu'il faut connaître l'adjectif cagnard, cagnarde. On connaît surtout le cagnard pour désigner le soleil quand il tape fort. Mais l'adjectif, je ne sais pas s'il est connu ou pas. Moi, je ne le connaissais pas avant de jouer au Scrabble, donc bon, en même temps, avant 14 ans, on ne connaît pas beaucoup de mots, mais bref, je l'ai rencontré en tout cas via le Scrabble. Donc c'était Scrabble unique, pas d'anagramme, en tout cas pas d'autres Scrabble sur ce coup, 64, sous top des crua. À 34, qui forme Exhibera, égalé par Nuage ou Ruade. Agencé faisait 32, tout comme Guar, Guar. Je ne connais pas ce mot-là. Eh bien, forcément, c'est un ODS8. D'accord. Ok, alors coup suivant. C'était fondé, on pouvait en sous-top jouer Donné, même place, moins 6. Zo en N12 qui mettait un S à Timmy, S Joker, faisait 45, tout comme Fadé en 6B, en F2, et Sondé, Soudé en O4, et Zef en O1. Voilà. Beaucoup de solutions à 45. Mais si on va vite sur la place M1, M2, là, on peut vite optimiser et aller directement au top. Alors, le coup suivant, mouvant. On va penser à émouvant éventuellement. Je ne sais pas si ça sera utile dans la suite de la partie. Donc ça faisait 84, encore un Scrabble unique. Sous top, Vouan qui faisait Exhibera. Donc la place est intéressante en L8. 48 avec Vouan, 46 avec Voua. Vouta en B6 faisait 38 et Voga en 4A en collante 35. Le coup suivant. Alors là, on a transformé cagnard en acagnarde, c'est un verbe. Vous verrez tout à l'heure la définition. On a retenu user.
parce qu'on pouvait faire sud, peut-être, je ne sais plus. 87 et sous top 74 en O3 ou O4, Usinat, Sinuat et puis Alunit en E2. Alors Alunit, c'est soit un nom commun, soit le verbe alunir. 66 points. Ensuite, on ne scrablait plus. Sani, Seno, Sinu en A8. Tout ça, ça fait 43 points. Situé également. Alors après, on a nonuplé avec question. Bon, heureusement, c'était pas le mot le plus difficile à construire. Quoique, si on pense pas, si on s'acharne, si on s'obstine, pardon, à mettre, à jouer le Q en terminaison dans IQE, ce qui est pas idiot en soi, hein, parce que c'est assez fréquent, mais ça suffira pas. Ici, en tout cas, donc question pour 185 points, sous top 80 points en K1, le même mot, question, et puis en triple, en O4, Sonic, Sinox, Stoic, ça fait 32, Sequin, Soke, ça fait 42, pardon, et Sequin, Soke, 39. Alors, le coup suivant. Le W, on ne l'a pas utilisé pour le top. On a joué Fuguet à 39 en collante. Fuga faisait un peu moins, 35. Le W, on pouvait s'en servir quand même. Hein, en 15A, Wu faisait 35 également. Wally en 6F, 33. Et Wifi en L12, 32. Le tirage suivant, on a joué Pilo, le P qui triple, le W qui triple, ça faisait 42. WAP sous top à 39 en F6, formant Psi, la lettre grecque. Et puis deux solutions à 34 points en L8, L9, élué ou pué. Et enfin, le dernier coup, blé, BLETS, top unique. En dessous, on est à moins 2 en enlevant une lettre. Blé, Bel, B-E-L-S, Ben, B-E-N-S, Blé, B-L-E-S, ou bien Lan, Nel et Tel qui faisaient 30. Voilà. Allez, on passe aux définitions. Je laisse la partie affichée. Alors, le rochier, c'était un... Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis. Ah, c'est sur séchoir, en fait, ça m'a fait penser à ce mot-là. Sauf qu'il ne passait pas. Donc, bon, ben voilà, vous apprenez un mot qui n'était pas dans la partie, c'est pas grave. Donc, il n'y a pas de rochière. Hein. Enfin, je vérifie quand même, mais je crois pas. Non. Rochier, c'est un poisson vivant près des rochers. C'est pas un adjectif, c'est un poisson en particulier. Ensuite. Orfévré. Pardon. Donc, c'est un adjectif uniquement. Il n'y a pas de verbe orfévré. Alors que la définition pourrait le laisser supposer, puisque ça signifie façonné par un orfèvre. Donc, faut bien qu'à un moment donné, on orfèvre la chose. Mais bon, on façonne et on est un orfèvre. Ensuite, Timmy. En psychologie, c'est synonyme de humeur, cyclothymie quand on est d'humeur changeante. Cagnard, l'adjectif, donc le nom masculin, c'est effectivement le soleil qui chauffe beaucoup. Et cagnard, adjectif, donc cagnard 2 au féminin, signifie fainéant. Et du coup, acagnardé, ou s'acagnarder, s'habituer à une vie oisive. Orchite, ça fait mal, un terme médical, inflammation des testicules. Xiste, dans l'Antiquité grecque, c'était une galerie couverte d'un gymnase. L'hélix, c'est le pourtour du
pavillon de l'oreille, et c'est aussi le nom scientifique, entre guillemets, de l'escargot. Ou alors c'est un escargot en particulier, je ne sais plus. Je regarderai ça pour ma curiosité. Et si ça vous intéresse aussi, bah écoutez, normalement, si vous êtes là, c'est que vous avez Internet, hein, donc vous pouvez aller regarder. Voilà, ensuite, sexé n'est pas défini, mais c'est le fait de procéder au sexage des animaux, des petits, d'après leur sexe, voilà. Ensuite, Syrex, un insecte hyménoptère, Jaco, familier perroquet gris, donc qui s'écrit J-A-C-O, J-A-C-O-T ou J-A-C-Q-U-O-T, Junco passereau d'Amérique du Nord, un oiseau donc, le jar avec le D, qui s'écrit aussi sans le D, c'est le sable du fond des rivières, décrué, décrusé, décreusé, c'est la même chose, signifie lessiver un textile, un fil textile brut pour le débarrasser de sa gomme. Zo, hybride de vache et de yak au Tibet. Se fader, se coltiner, un verbe familier. Alunite, donc non féminin, sulfate hydraté d'aluminium et de potassium. Sinoc, c'était avec le S qu'on l'avait joué, mais c'est la même chose, C-I-N-O-Q-E, ou S-I-N-O-C, un verbe, un adjectif, pardon, et un nom familier pour désigner quelqu'un de fou. On l'est tous un peu, hein, vous rassurez-vous. Inquiétez pas. Soquet. Alors, c'est pareil que soquet, S-O-C-K-E-T, et c'est... En Belgique, une douille électrique à pas de vis. Sequin, ancienne monnaie d'or de Venise. Et le Wali est un fonctionnaire algérien. Pilao ou Pilao AU ou Pilaf, c'est une façon de préparer le riz. WAP, technologie permettant de connecter un téléphone mobile à Internet. Cette technologie est dépassée, bien évidemment. Maintenant, on a le Edge, la 4G, la 5G, la 3G, etc. Éluer, en chimie, signifie séparer des corps, hein, des éléments par élution, l'élution étant la séparation de corps par lavage. Ensuite, blé, blette, adjectif qui signifie trop mûr. Belle, B-E-L-S, c'est pas le pluriel de belle, l'adjectif, puisque ça serait beau. B-E-A-U-X, c'est un nom masculin, belle, B-E-L. Et c'est une unité mesurant les rapports d'intensité sonore, la plus connue étant le décibel. Ensuite, goire est une légumineuse dont on extrait un épaississant alimentaire. Et c'est terminé pour les définitions. Je vous en laisse une à l'écran. Bah tiens, voilà, allez, hop. On va laisser celui-là. Comme ça, vous pourrez rigoler pendant... Pendant que je passe les appuis des tirages. Alors, le premier, donc on avait épelé au premier coup sec en 7 lettres, pas d'autres, sinon on les aurait vus. Et on appuie épéclé, c'est un verbe, dipétale, télépé, c'est un verbe également, pailleté, pelleté, empellite, pateline, pelé, pénalité, planéité, platiné, pelleré, platerie, platière et épilate. Voilà un tirage assez riche. Le suivant, alors celui-là il est super intéressant. Puisque déjà, on a séchoir sec, si j'ose dire.
Sur un A, on l'a vu, choix ERA, béchoir brioche sur un B, crochis ricoche sur un C, chromise sur un M, chose chromise, chose due, chérion ou chilleron sur un N, isocore sur un O, cirrhose rochier au pluriel sur un R, et séchoir sur un S, choriste et orchite, passé pendant la partie. Alors, ici, qu'est-ce qu'on avait? Alors, il n'y avait que dévorer qui ne passait pas sur la partie. Quoi d'autre? Observer. Ces deux-là, je ne les prononce plus. Névrosé sur un S, sur un N, pardon, un N ou un S en fait, puisqu'il y a le joker, donc renvoyé, révoqué, et puis voilà, éprouvé et E, mais ça, éprouvé, y passer, hein. Évaporé également. Alors ensuite, dallage, est-ce qu'il y avait autre chose? Eh bien non. Alors là, il y aura de la matière, si j'ose dire. Alors asséné, sec. Ah ouais, c'est dur ça. Scrabble unique, lettre à un point, faut les connaître. Il y a une liste sur le sens des lettres qui est diffusée en vidéo, qui vous mentionne tout ça. Toutes les solutions, enfin tous les tirages de cette lettre à un point avec une seule solution, voilà, en vidéo. Bernas, Bressane sur un B, caserne, Cernas, Crénas, Encrasse. Alors Encrasse, c'est à la fois le verbe ancrer avec un E et le verbe encrasser. Recensa, Sérance, Essanger, Arsénier, adjectif, Sneaker au pluriel, Nareuse. N-A-R-E-U-S-E, ici au pluriel également. Je ne vous passe pas toutes les définitions de tout ce qui sort là, parce que sinon, on y passe la journée entière. Allez, le coup suivant, le tirage suivant. Je ne crois pas que ça scrablait, ça. Non. Et avec une lettre de plus, vous voyez, j'y pense pas toujours. Hein. Eh ben non plus. Je vais revoir le dallage, là, s'il y avait en 9 lettres quelque chose. Oui, Gaillard, Godaya. En 9 lettres, donc. Alors, ensuite, ici, on avait en 8 lettres, j'ai vu Boxerier, Exorbité. Eh bien, il n'y en a pas d'autres. Et en 9 lettres, on aura forcément toutes les flexions de exorbité. Et quoi d'autre? Eh bien, rien du tout. Le tirage suivant. Rien en 7 ni 8, et en 9, rien non plus. Alors, celui-là, intéressant, pas beaucoup de voyelles, donc on a déjà Cagnard. Bon, ben, il n'y a que Cagnard pour ce tirage, et en 9 lettres, on aura forcément à Cagnard, Canardage. Carangide ou Carangidé, je ne sais pas. Encordage, Cradingue, Cerdagnole. Oh, c'est magnifique ce tirage. C'est absolument magnifique. Ensuite, bon, là, rien en 7, 8 et en 9, défourné. Là, on a mouvant, émouvant, mouvante, mouvant au pluriel.
Et en 9 lettres, ben, on rajoute juste émouvante, émouvant au pluriel, mouvé à I-E-N-T. Ok. Ensuite, oula, là il y aura plein de choses, donc on va se contenter. Déjà en 7 lettres, il y en a 2, 3. Uniat, et puis les deux autres. Maintenant, oui, non, il n'y a que Sué et Usé qui passaient. Uniat, c'est la troisième. La troisième roue du carrosse, si j'ose dire. Busée entubée, voilà, il y en a plein. Cuisante, sucée, poulala, jaunite sur un J, knotti sur un K, je vais vous faire les lettres chères. Sur un Q, il y en a plein aussi. Esquinta, antique, nakit, nikat, squatin, tanik, takin. Voilà, et puis c'est tout. Suivante sur un V, c'est joli. Tirage d'après. Alors là, on a tonique, ontique en main. Sur un A, atonique, équation. Sur un C, coquinet. Sur un E, noétique. Sur un I, quintois. Sur un R, roquetin. Sur un S, question. On a vu question, nous. Hein. Et donc, ontique et tonique au pluriel. Et puis, question, du verbe quêter. Quotient sur un T. Et quintoyer sur un Y. C'est un tirage absolument sublime. De toute beauté, d'une grande richesse. Ensuite, bon, là, il n'y aura rien. Là, c'est pareil. Et ici, gros doute aussi, je vais quand même regarder les 9 lettres. Oh, netball. Oh lolo. Ouh, ça, ça aurait fait très très mal. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est monstrueux, ça. Netball. Netball. Et en 9 lettres, ballante au pluriel et bulletin au pluriel. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris 2-3 bricoles. Et puis, passez-vous le mot autour de vous. Il faut qu'il y ait du monde qui vienne ici sur duplicate.club. Il faut qu'on atteigne, pour pouvoir faire comme on faisait sur le sens des lettres, il faut qu'on atteigne les 1000 abonnés. Voilà, donc abonnez-vous, abonnez vos amis, vos proches, etc. Et venez vite jouer avec nous au Duplicate. À très bientôt, ciao, portez-vous bien.